via Zoom. Et on aura également une courte période de questions à la fin d'une 15-20aine de minutes. Donc, avant de céder la parole, je vous présente Guillaume Valado, qui est président et fondateur de Vortex.io. D'abord, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, donc, c'est ça. Donc, Guillaume est ingénieur issu de Centrale Marseille, qui est spécialisé en océanographie et en validation des données altimétriques issues des mesures in situ depuis 15 ans. Il a travaillé chez CLS, donc Collecte Localisation Satellite, en tant que responsable des différents projets, notamment le projet PEACHI. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le dites, donc Prototype for Expertise on Altica for Coastal Hydrology and Ice, pour le CNES ainsi que pour le projet Innovant Hydrone. Il a ensuite travaillé en tant que responsable de développement des solutions hydrologiques. Il travaille maintenant au sein de Vortex.io en tant que président et s'occupe plus particulièrement de la stratégie de développement de la société. Donc, aujourd'hui, pour le webinaire de Vortex, le webinaire, pardon, porte sur Vortex.io, donc en complément des solutions actuelles et traditionnelles utilisées pour mesurer les différents paramètres des systèmes hydrologiques, la société Vortex.io a développé une nouvelle génération de solutions héritées du savoir-faire de ses fondateurs en altimétrie spatiale et propose un service clé en main pour surveiller en temps réel les cours d'eau à tout instant et en tout lieu. Ces microstations compactes, intelligentes et innovantes permettent d'adresser à grande échelle la question de la prévention des inondations et des sécheresses et par conséquent la sécurisation des biens et des personnes touchées par ces catastrophes naturelles dont le nombre croît chaque année. Donc, merci encore Guillaume d'avoir accepté l'invitation pour nous parler d'un sujet qui est pas mal d'actualité et je vous cède la parole. Merci beaucoup Marie-Hélène. Bonjour à tous. Donc je suis Guillaume Valado. Je vais commencer par partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. On va tester ça en direct ensemble. Voilà. Marie-Hélène, est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est bon pour vous? Oui, ça fonctionne. On voit votre écran. Très bien. Alors bonjour à tous. Donc on va aborder aujourd'hui ce webinaire d'une quarantaine de minutes. Marilène a bien introduit le sujet sur mon parcours et ma cofondation de Vortex, puisque je ne suis pas le seul fondateur. On est deux fondateurs aujourd'hui chez Vortex, Jean-Christophe Poisson et moi-même. Et on a développé une solution de surveillance des cours d'eau en temps réel, voilà, qui s'appelle la microstation Vortex.io, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Alors, pourquoi on en est arrivé là? En fait, comme le disait Marilène, on a un parcours plutôt dans le domaine du spatial avec Jean-Christophe. On a travaillé 15 ans pour une filiale de l'Agence spatiale française ici à Toulouse qui s'appelle CLS sur l'étude des conséquences du changement climatique au niveau de la mesure du niveau de l'océan avec une technologie d'altimétrie spatiale. Je reviendrai un peu là-dessus au cours de ma présentation. Et puis, il y a 3 ans, on a eu envie d'exporter notre savoir-faire en océanographie et de le transposer sur le domaine de l'hydrologie continentale pour proposer une solution de nouvelle génération, on pourrait dire, qui permet d'adresser des mesures temps réel en hydrologie pour la gestion des ressources en eau, pour le risque inondation, pour le risque sécheresse, pour de la modélisation, pour des études des conséquences du changement climatique. Tout ceci, d'un point de vue, on pourrait dire, technologique, avec une miniaturisation des altimètres satellites sous forme de ces instruments qu'on appelle des microstations. Donc, je vais démarrer ma présentation avec un point un peu intéressant qui est de reprendre les événements majeurs. Alors, je vais me placer d'un point de vue français, franco-français en tout cas, dans cette présentation. Je reprends dans cette slide un point important qui est qu'en France, mais un peu partout dans le monde, on a vu des événements majeurs en termes d'inondations se produire depuis 5, 6 années, voire un peu plus, avec des conséquences assez importantes d'un point de vue humain et d'un point de vue bilan matériel. Et notamment en septembre-octobre 2020, je ne sais pas si vous avez pu suivre
les événements majeurs qu'on a eus ici, notamment dans les Alpes-Maritimes, mais ça a eu des conséquences assez terribles. Donc avant d'entamer directement ma présentation sur Vortex.io, je vais revenir sur mon background en altimétrie spatiale en vous présentant cette slide relativement simple. Je m'excuse d'avance pour la résolution de l'image de gauche, mais globalement, aujourd'hui, quand on veut faire de l'hydrologie, on a différentes technologies à disposition. Et ce qui est vraiment important de constater, c'est qu'aujourd'hui, ces différentes technologies, elles fonctionnent, j'ai envie de dire, de concert pour pouvoir adresser parfaitement une observation des systèmes hydrologiques en temps réel. Donc, on a bien entendu toute la constellation satellite qui est plutôt en orbite relativement haute avec une couverture spatiale qui est relativement grande mais restreinte dans sa répétitivité. Classiquement, les satellites revisitent le même point tous les 10, 15, 20, 25, 30 jours. On a aussi l'accès à des données grâce à l'utilisation de mesures aéroportées, voilà, qui sont beaucoup plus traditionnelles, que l'on peut déployer un peu à la demande, mais qui ont comme inconvénient de ne pas pouvoir se déployer quand les conditions météo sont défavorables. Et malheureusement, quand on est en période d'inondation, c'est souvent le cas. On a également la possibilité de déployer des drones volants. Alors, c'est le cas chez Vortex et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Dans les lignes produits que l'on développe, on a aussi une ligne de produits embarquée sur drone. L'avantage du drone, c'est que c'est extrêmement flexible dans son déploiement et dans sa réalisation de linéaires de surface d'eau. En revanche, les surfaces couvertes sont relativement restreintes. Et puis, en regard de toutes ces mesures, j'ai envie de dire aériennes, on a en plus tout ce qui concerne l'accès aux mesures au sol, aux données in situ. Et là, vous avez une sorte d'infographie un peu de ce que l'on a aujourd'hui traditionnellement quand on étudie des systèmes hydrologiques avec une centrale d'acquisition, une échelle connectée ou un radar ou un jaugeur, bref, un système un peu global d'enregistrement et de transmission de données. Alors, d'un point de vue spatial, pour représenter ce que je vous expliquais juste avant, je prends ici l'exemple d'un satellite de l'Agence spatiale européenne. C'est juste pour vous représenter un peu la façon dont fonctionne un satellite en orbite autour de la Terre. Donc, ce satellite, il a l'avantage de pouvoir quadriller l'entièreté du globe. Et ça, c'est vraiment très, très important d'un point de vue de la couverture spatiale, parce qu'on a une donnée qui va être très, très large et qui va être observée de manière assez rapide. En revanche, vous le voyez, le satellite, il passe à un endroit, et tant qu'il n'a pas fini son cycle d'observation, il ne repasse pas au même endroit. Donc, dans le cadre d'observation de phénomènes de type inondation, le satellite peut apporter de l'information, notamment peut-être suite aux inondations, sur les dégâts provoqués par les inondations, mais il y a assez peu de chances que le satellite soit là au bon moment pour observer l'inondation. Alors, grâce aux constellations de satellites que l'on commence à avoir, et notamment à travers le programme Copernicus, on commence à avoir une observation multicapteurs spatiaux qui permettent de pouvoir avoir au moins une observation des phénomènes d'inondation au moment où elle se produit. Et c'est vraiment la complémentarité de ces capteurs qui est importante. Si je me concentre un tout petit peu plus sur le principe de l'altimétrie satellitaire, parce que j'imagine que ce n'est peut-être pas très commun pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, le principe de la microstation Vortex, de cette station que l'on déploie soit sous forme in situ sous les ponts, soit embarquée sur un drone, elle est héritée des spécifications d'un altimètre satellite. Alors, comment ça fonctionne un altimètre satellite? C'est relativement simple. On a à bord d'un satellite une station de positionnement. Voilà, donc là, c'est une station de type Doris que l'on a qui transmet en temps réel sa position avec une extrême précision. Et puis, on a un instrument de télédétection, donc typiquement un radar ou un lidar, qui émet une forme d'onde. Et cette forme d'onde se réfléchit à la surface de l'eau et renvoie en fait, par son temps de trajet, une information sur le range, globalement sur le tirant d'air, sur la distance entre le satellite et le niveau d'eau. Et ensuite, comme le satellite est géoréférencé, sur l'ellipsoïde de référence, sur le géoïde, on en déduit à travers différents calculs une élévation de la surface de l'eau, ce qu'on appelle water height, hein, classiquement, après avoir corrigé
le signal radar de l'ensemble des perturbations extérieures que peut avoir la forme d'onde. Donc ici, vous en avez deux représentations qui sont la ionosphère et la troposphère. Quand l'onde radar passe dans ces couches de l'atmosphère, elles sont perturbées et la forme d'onde de l'écho est légèrement modifiée. Et il est important de pouvoir corriger tout cela avant de restituer proprement une hauteur d'onde. Alors aujourd'hui, les satellites classiques qui font de l'observation en océanographie arrivent très naturellement à des précisions de l'ordre du centimètre. Ce n'est pas encore tout à fait le cas dans le cadre de l'hydrologie continentale. On est plutôt sur des observations avec une précision décimétrique, bien que les dernières avancées en termes de technologie algorithmique à bord des satellites, notamment proposées par les agences spatiales, qu'elles soient françaises, américaines ou autres, arrivent à des précisions inférieures à ces 10 cm. Je vous ai aussi mis dans le côté droit un ensemble d'observations que sont capables de restituer aujourd'hui les satellites altimétriques, et ce n'est pas uniquement de la hauteur d'eau. Ce ne sont pas forcément que des grandeurs qui intéressent la thématique du risque inondation, mais elles sont intéressantes pour adresser, on pourrait dire, l'hydrologie d'un point de vue un peu général. Donc on a la hauteur d'eau, on a la rugosité surface, c'est-à-dire la réflexion du plan d'eau que l'on observe. On peut avoir des informations sur la température de surface, sur la turbidité, sur les matières en suspension dans l'eau, sur la bathymétrie, notamment avec des missions comme la mission ICESat-2 qui embarque un lidar extrêmement fin à bord. On peut avoir des informations sur l'évacuation des eaux, sur les vents ou sur la salinité. Alors là, on est plutôt dans un contexte d'eau salée, donc plutôt océanographique. Mais par exemple, sur des informations de remontée d'aquifères ou autres, on peut avoir de l'information de salinité. Toujours en ayant en tête que dans le cadre d'un satellite altimétrique, on a une tâche au sol, ce qu'on appelle le footprint, hein, qui est de plusieurs kilomètres. Et donc, c'est vraiment l'énergie dans cette tâche au sol que l'on va chercher à restituer de la manière la plus fine à bord du satellite. Là, vous avez une petite représentation de ce que représente la couverture altimétrique française actuelle sur ce que l'on appelle des stations virtuelles. Donc les stations virtuelles sont les petits points verts que vous voyez à l'écran qui représentent en fait l'intersection entre une trace altimétrique au sol et un fleuve majeur ici en France. Donc on en a différents, dont la Garonne que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Et vous voyez que pour un satellite donné sur un continent ou un pays donné, la couverture en termes de stations virtuelles, pas forcément extraordinaire. Et c'est vraiment la multiplication du nombre de satellites en vol qui va permettre d'avoir différentes informations et de faire de l'analyse que l'on appelle multimission, donc qui va permettre de restituer, comme vous pouvez voir, des hauteurs d'eau avec des barres d'erreur qui forcément vont être plus ou moins réduites en fonction du nombre d'observations que l'on va avoir simultanément. Et puis en bas à droite, vous voyez un exemple de ce que propose aujourd'hui Vortex, notamment dans la capacité à valider, à calibrer les mesures effectuées par les satellites au sol avec un instrument qui est embarqué sur drone volant et qui permet de faire des linéaires d'eau au fur et à mesure que le satellite fait ses mesures. Et avec le drone volant, le gros avantage, c'est qu'on va être capable de se déployer au même endroit et au même instant que le satellite. Et sachant que le satellite se déplace à 7 km par seconde, on a une très petite fenêtre de tir pour pouvoir observer le plan d'eau en même temps que le satellite. Alors vous me direz, en hydrologie continentale, les plans d'eau ne varient pas non plus d'une seconde à l'autre. C'est vrai. Et on peut le constater, je vous montrerai quelques résultats là-dessus. Mais en période notamment d'inondation, on peut avoir des montées d'eau assez rapides. Et c'est vrai que si on peut avoir une bonne comparaison de l'altimétrie satellitaire avec l'altimètre léger Vortex au niveau du sol en même temps et au même endroit, ben les résultats n'en sont que meilleurs. Je finis ma présentation, mon introduction sur le principe de l'altimétrie satellitaire avec cette innovation qui va avoir le jour bientôt maintenant à l'échelle du globe, qui s'appelle SWOT, Surface Water Ocean Topography, qui est une mission qui a été lancée via une coopération entre la NASA, le CNES, le CSA et Lucas SA.
L'objectif de cette mission, c'est vraiment de pouvoir venir observer à plus grande échelle l'ensemble des systèmes hydrologiques dans le monde. Donc ici, je vous montre un peu quelques représentations qui nous ont été fournies par le CNES. Donc on a un concept technique très innovant aujourd'hui qui est l'altimètre interférométrique à large fauchée qui s'appelle CARIN, qui va faire non seulement une mesure au nadir, c'est-à-dire à la verticale, telle que vous pouvez le voir sur l'image en haut à gauche, mais aussi à travers deux fauchées qui feront chacune 50 km de large, qui vont nous permettre d'observer des topographies d'océans et d'eau de surface simultanées. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va vraiment avoir une meilleure résolution au sol et surtout une bien plus grande couverture spatiale. Vous en avez un petit exemple en bas au milieu, là, sur la mer Morte. Donc, vous voyez que les différentes traces de couleurs que vous avez, jaune, rose, vertes, sont des traces, ce que l'on appelle nadirs, donc vraiment des traces d'observation à la verticale du satellite que l'on a à travers différents satellites traditionnels. Donc là, il y en a trois différents. Et vous voyez que quand le satellite SWOT va passer, on voit les fauchées blanches. Ce sont les fauchées d'observation des interféromètres. Et donc vous voyez que lors du passage d'un satellite, on aura non seulement l'observation au nadir à la verticale, mais aussi sur ces deux fauchées de 50 km de large. Donc ça, c'est vraiment une révolution en termes d'hydrologie continentale. Et grâce à cette mission, on va bien sûr avoir en observation directe des données de hauteur d'eau et de pente, et en observation indirecte des mesures de débit. Et à droite, vous avez quelque chose d'assez intéressant qui sont le nombre en fait de revisites possibles de la mission lors comment on appelle ça, d'une fenêtre temporelle donnée de 21 jours. Et donc vous voyez qu'en fait, en fonction de l'endroit où on se trouve, on va avoir des revisites qui vont être jusqu'à 4 sur des cycles de 21 jours. Et ça va être intéressant notamment pour des observations de modélisation, mais aussi pour des observations de hauteur d'eau avec une réduction des barres d'erreur. Et comment ça se passe, cette réobservation? C'est simplement que les observations faites avec les fauchées vont se recouvrir par moment. Et donc, à travers le passage du satellite à différents moments, on sera capable d'avoir différentes observations. Voilà, je voulais en arriver ici parce qu'en fait, tout ça introduit très très bien le sujet de Vortex, puisqu'en fait, Vortex, aujourd'hui, hérite de la technologie du spatial pour proposer des services intelligents et innovants de télédétection pour l'hydrologie à travers deux lignes produits. Donc, la ligne produit d'altimètre léger embarqué sur drone, que vous pouvez voir en bas à gauche, voilà, qui est un instrument qu'on utilise très très régulièrement, et notamment avec les agences spatiales, et ce que l'on appelle la microstation Vortex, qui est l'instrument in situ innovant que l'on propose aujourd'hui pour venir compléter les systèmes traditionnels de mesure au sol, à travers là aussi un objet extrêmement abouti et que l'on a développé en partenariat avec notamment l'Agence spatiale française. Sur cette slide, ce que je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, donc, au-delà de cette inspiration de la technologie spatiale, on a des instruments chez Vortex qui sont totalement autonomes en énergie, en transmission de données. Donc, que ce soit pour la microstation ou l'altimètre léger embarqué sur drone, on est complètement indépendant de la position du drone. À bord de nos instruments, on a nos propres systèmes de référencement par GPS RTK. Et on a aussi une forte indépendance au niveau de l'autonomie, puisque là, l'instrument qui est embarqué sur drone volant a sa propre batterie à bord. Donc, le drone gère sa partie et les opérateurs drone gèrent leur partie. Et nous, on a la main sur l'instrument Vortex et on est capable de mesurer nos paramètres en temps réel. Donc, sur l'instrument drone, on a une autonomie aujourd'hui d'environ 4 heures. Donc, ça permet de faire des longs linéaires avec le drone. Et puis, sur l'instrument microstation, sur lequel je vais me concentrer au début de cette présentation, là, on a un instrument qui permet, à travers sa connectivité bidirectionnelle, d'avoir une supervision globale depuis nos bureaux à Toulouse, quel que soit l'endroit où on le déploie dans le monde. Et c'est ça vraiment important parce que aujourd'hui, pour réduire drastiquement les coûts de déploiement des solutions au sol, on a besoin de réduire non seulement les coûts de fabrication des capteurs, mais aussi les coûts d'installation et de maintenance de ces capteurs. Et à travers la solution de microstation Vortex, on a réussi ce pari. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une miniaturisation des altimètres satellites. Pour information, un altimètre satellite, ça pèse aux alentours de 500 kilos. Là, la microstation Vortex, ça pèse aux alentours de 500 grammes. Donc, on a réduit par 1000 vraiment le poids d'un altimètre satellite pour en faire un objet très compact, extrêmement léger, extrêmement facile à déployer
qui va permettre justement d'échantillonner spatialement l'ensemble des cours d'eau du globe à très très grande échelle et de manière très souple, avec un système géoréférencé et pour lequel l'ensemble des données bancarisées par la société Vortex seront mises à disposition de nos clients ou des organismes avec lesquels nous travaillons. Donc, si je reviens un tout petit peu sur la société, on est quand même une société relativement jeune chez Vortex. La société a été créée en 2019. Voilà, avec Jean-Christophe Poisson et moi-même. Et aujourd'hui, la société compte 12 collaborateurs. Donc, c'est vrai que la première année de notre société, donc qui était l'année, j'ai envie de dire, 2020, parce qu'en 2019, on a juste fait un biseau sur nos anciennes activités. On a vraiment démarré l'activité depuis 2020. Donc, malheureusement, on a démarré l'activité en période de crise sanitaire, donc c'était pas forcément évident de démarrer une activité, mais ça a eu l'avantage de nous faire démarrer directement en remote, avec des onboardings en remote, et puis surtout un travail très agile à travers une digitalisation très très forte de la société dès le départ. Donc aujourd'hui, on est 12 collaborateurs parce qu'en fait, en 2020, on a proposé un produit innovant qui a vraiment séduit beaucoup d'acteurs de l'hydrologie, notamment en France. Mais bien sûr, pour pouvoir avoir une qualité de service temps réel à toute épreuve, il faut aller plus loin. Et donc, on a choisi de renforcer l'équipe dès le début à travers l'arrivée d'une dizaine de collaborateurs pour passer d'un produit innovant à un service totalement opérationnel. Et comme notre service se présente sous forme d'une offre SaaS, on insiste vraiment sur cette qualité de service. Aujourd'hui, les acteurs de Vortex, les clients de Vortex viennent chercher une donnée temps réel. Ils ne viennent pas chercher un produit innovant, ils viennent vraiment chercher de la donnée. Et nous, notre pari aujourd'hui, c'est vraiment de proposer cette donnée la plus fiable possible, avec une continuité de mesure la plus pérenne possible. Et c'est vraiment ce que l'on va essayer de développer dans le futur de notre activité. Donc, notre objectif, c'est vraiment à 3 ans de faire une base de données en hydrologie, Anytime Anywhere, qui aura différents paramètres de l'eau, quantitatif dans un premier temps, qualitatif ensuite, et qui permettra à tout client en France ou ailleurs de venir sur notre plateforme et de s'abonner à la série temporelle de mesures ou aux images ou aux vidéos que l'on va diffuser grâce à nos microstations. L'innovation, je l'ai présentée un tout petit peu après, ça s'appelle la microstation Vortex.io. Voilà, un petit objet de 400 grammes, 10 cm de côté. Et je reviendrai un tout petit peu plus tard pour le développement sur cette microstation. Donc, on est 2 ingénieurs issus du spatial. Jean-Christophe Poisson, qui est un ingénieur système spatiaux, télédétection, traitement du signal. Et moi-même, qui ai suivi plutôt un cursus d'ingénieur généraliste avec une spécialisation en océanographie dans mes dernières années d'études. Et puis, on s'est retrouvés à travers différents projets au sein de la société CLS jusqu'en 2016, où on a eu envie d'imaginer une nouvelle façon d'observer l'hydrologie continentale avec des altimètres légers embarqués sur drone. Ça a été le moment du projet d'innovation Hydrones qui a été porté par notre société CLS, qui nous a incubé en tant qu'intrapreneur pendant une année complète. Et puis, au gré de nos itérations, on a convenu que c'était temps pour nous de partir sur notre propre structure. Donc aujourd'hui, Vortex est une entité indépendante, hein, ce n'est pas une spin-off de CLS, c'est vraiment une entité à part entière. Mais c'est vrai qu'on est très reconnaissant envers CLS de nous avoir accompagnés sur ces premières années du projet d'innovation iDrones pour pouvoir, on pourrait dire, faire nos armes sur ce contexte de l'hydrologie continentale. On a 2 parcours relativement complémentaires puisque moi j'ai coordonné un certain nombre de projets européens et internationaux dans mon parcours à CLS et notamment sur des solutions hydrologiques à partir d'observations satellitaires. Voilà, et Jean-Christophe Poisson est plutôt le père fondateur de nos instruments, de nos lignes produits, et c'est vraiment lui qui a aujourd'hui toute l'expertise sur les lignes produits que l'on propose. Alors, si je me positionne dans un contexte métropolitain français, on pourrait dire, aujourd'hui en France, vous êtes peut-être au courant, on a un système étatique extrêmement bien fait qui est le système Vigicru, qui existe depuis un peu plus de 10 ans, peut-être même une quinzaine d'années, et qui, au cours de ces 15 années, a déployé sur le système français environ 3000 points de mesure sur des cours d'eau dits réglementaires qui sont surveillés en temps réel.
Mais malheureusement, en France, on a encore plus de 8000 communes françaises qui sont sans surveillance aucune des inondations. Ça représente environ 100 000 kilomètres de linéaires qui ne sont pas observés en temps réel au regard des 20 000 kilomètres de linéaires qui sont observés et suivis en temps réel. Et donc, ça concerne environ 13 000 cours d'eau qui sont des contributeurs au risque d'inondation, qui sont souvent les petits cours d'eau affluents des grandes rivières ou des grands fleuves et qui ne sont pas surveillés en temps réel. Alors, une des raisons pour lesquelles ces petits cours d'eau ne sont pas observés en temps réel concerne les solutions qui sont déployées actuellement, les solutions que j'appelle traditionnelles, classiques sur le terrain, qui sont des solutions qui, poussées à l'extrême, ressemblent à ce que je vous présente ici à gauche, avec un bâti béton, avec toute une centrale d'acquisition, de transmission de données, qui nécessite un fort coût d'investissement au départ pour l'installation de ces solutions, notamment pour acheminer de l'électricité et du réseau, et puis aussi qui nécessite un fort coût de maintenance parce que ces stations, elles sont par moments immergées dans l'eau, donc elles subissent un peu les affres du temps, et puis même les solutions de télédétection classiques de type radar dérivent au cours du temps et donc nécessitent un recalibrage régulier. Et tout ça, ça a un coût. Un coût qui est souvent prohibitif pour les organismes qui ont en charge la mise en œuvre et puis le maintien de ces solutions dans le temps. Donc, au regard de ce constat, on a décidé justement chez Vortex d'essayer de réduire un maximum l'ensemble de ces coûts, donc à travers la réalisation d'un système très compact. Vous en voyez un petit peu des exemples sur les petites vignettes en bas, hein, donc encore une fois, 400 grammes, 10 cm de côté. Une installation et une maintenance qui sont comprises dans le service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez le service Vortex, vous avez vraiment juste à vous soucier de l'acquisition de votre donnée, mais pas du tout de tout ce qui concerne en effet la mise en œuvre du produit, de la solution, ni de son traitement, ni de son stockage, ni de sa diffusion. Et grâce à la réduction forte des coûts d'installation et des coûts de maintenance, puisque comme je le répète, nous on est sur une solution héritée de l'altimétrie satellitaire. Nos instruments se comportent vraiment comme des petits satellites à l'échelle du terrain. Donc on a des instruments qui ne dérivent pas dans le temps. Et ça, c'est vraiment un avantage majeur par rapport aux solutions actuelles. Et donc aujourd'hui, Vortex, dans le cadre de son service clé en main, propose une surveillance des cours d'eau avec un coût 8 fois moindre que le prix d'une solution traditionnelle intégrée en termes de service. Donc là, je vais vous projeter un tout petit film d'1 minute 20 sur le service d'un point de vue pédagogique que propose Vortex aux collectivités, aux mairies, dans le cadre de la résilience des territoires. Excusez-moi. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. J'ai une sorte de son de mon côté, je ne sais pas si c'est moi ou pas. Je suis désolé. Marilène, est-ce que vous entendez un son en fond ou est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, on entend un peu diriger, mais c'est pas très fort. On t'entend bien.
Ok. Donc, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que vous avez vu un peu de manière pédagogique ce que propose Vortex aujourd'hui au niveau de suivi des inondations pour les territoires, pour les mairies. Voilà, c'est de manière assez pédagogique. Donc, au niveau des inondations, nous, on est là pour venir proposer une solution d'anticipation sur les occurrences de cours d'eau, sur les 13 000 cours d'eau qui sont soumis au risque d'inondation en France. Et puis une solution, alors j'appelle ça d'alerte, en fait ce n'est pas réellement d'alerte, c'est plutôt d'information des populations en cas de risque. On travaille nous plutôt avec les organismes sur le terrain qui ont ce mandat d'alerter les populations, de mettre en place ce qu'on appelle les PCS, les plans communaux de sauvegarde. Nous on est plutôt en amont, on est plutôt là pour fournir de l'information en temps réel. Et puis on est là aussi pour analyser l'après-crue, le retour sur expérience. Grâce à la dualité entre nos solutions. Donc, la proposition de valeur de Vortex, c'est de fournir un service de mesure temps réel en hydrologie à partir d'une constellation de capteurs innovants hérités du spatial. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est de pouvoir proposer une solution qui permet de surveiller de 5 à 8 fois plus de cours d'eau pour le prix d'une station traditionnelle, à travers un service clé en main. Donc, le client aujourd'hui demande l'installation d'un point de mesure sur notre portail marivièreentrue.fr et derrière, on vient soit installer une microstation, soit lorsque la microstation est déjà en place, la donnée lui est directement distribuée. L'installation et la maintenance sont bien entendu comprises dans le service. Le client n'a pas à se soucier de cela. Et le service, c'est un service par abonnement, mensuel ou annuel, sans engagement de notre client. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de laisser le client libre d'accéder à la donnée ou d'arrêter d'accéder à la donnée comme bon lui semble. Donc au niveau français, on est soutenu aujourd'hui par le ministère de la Transition écologique, par le CNES, l'Agence spatiale française. On travaille main dans la main avec la société Prédict, qui a notamment ce mandat de déployer les plans communaux de sauvegarde à l'échelle des territoires et des mairies. On est aussi accompagné par l'ADEME et on a un label Green Tech Innovation qui nous permet justement d'avoir des facilités de contractualisation grâce au marché public d'achat innovant en France. Donc, si je me concentre un peu sur la microstation elle-même, la microstation, c'est un objet compact et non invasif. Qui embarque aujourd'hui un lidar et une caméra qui nous permet d'avoir une précision centimétrique sur la hauteur d'eau. Donc, comme je vous l'ai montré sur le principe de l'altimétrie satellitaire, on travaille sur ce que l'on appelle la forme d'onde, l'écho du lidar, pour fournir une mesure de hauteur d'eau avec une précision subcentimétrique. Et puis, grâce à la caméra qui est à bord, on fournit des informations de vitesse de surface, de température de surface, des images ou des vidéos contextuelles, et on a d'autres ambitions en termes de fourniture, notamment sur des paramètres météorologiques, en plus des paramètres hydrologiques. La station, elle est totalement autonome. On a un couple entre une batterie à bord et un panneau solaire. Ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, le panneau solaire, c'est un objet qui peut se voir notamment sur le côté des ponts, donc qui peut subir un peu les dégâts des intempéries ou être vandalisé. Et ce qui est important, c'est que dans le cadre de la qualité de service que propose Vortex, si on a un problème sur le panneau solaire, d'une part, on le sait en temps réel, puisque Vortex ne monite pas uniquement les paramètres mesurés, mais aussi tous les paramètres vitaux de la station. Donc, on a une information temps réel sur l'état de la station. Et bien entendu, si jamais le panneau solaire est défectueux, la batterie prend le relais et assure jusqu'à 15 jours d'autonomie à la microstation, ce qui fait que l'on est capable d'intervenir rapidement avec une grande réactivité pour remplacer le matériel défectueux. On a aussi un système complètement intelligent, là aussi, qui est inspiré de l'altimétrie satellitaire, puisque nos microstations, elles ont vocation à être déployées à très grande échelle, en comparaison aux quelques milliers de stations qui existent aujourd'hui sur le territoire français. Nous, on a la vocation à multiplier par deux ou trois ce nombre de stations et avoir vraiment des stations qui vont travailler de pair, à travers des petites grappes de stations qui vont s'informer les unes les autres et qui vont permettre à chacune des stations de passer dans un mode alerte ou pas en fonction de l'état du cours d'eau. Donc, quand on va observer un cours d'eau dans son intégralité, si jamais la station la plus amont détecte l'arrivée d'une onde de crue, elle va automatiquement mettre en alerte l'ensemble des stations qui sont suivantes et qui vont elles-mêmes se mettre en alerte.
Donc, chez Vortex, une mise en alerte, ça passe par notamment une augmentation de la fréquence d'acquisition. Il faut savoir que le capteur qui est à bord aujourd'hui, le LIDAR qui mesure le cours d'eau, il peut avoir une fréquence d'acquisition jusqu'à 7 points de mesure par seconde. Donc, c'est extrême. On n'a pas besoin de cette résolution temporelle-là pour de l'hydrologie continentale, mais on peut aller à la minute, à 5 minutes, à 10 minutes en fonction des besoins de nos clients. Sinon, traditionnellement, on a une mesure qui se fait de manière horaire. Mais bien entendu, tout ceci est paramétrable et notamment, on peut modifier ces paramètres au cours du temps. Et dans le cadre du nombre de crues, on peut, par exemple, à foison, activer la caméra ou d'autres paramètres de l'eau qui sont pertinents. L'ensemble des mises à jour et la supervision se fait aujourd'hui à distance grâce à une connectivité bidirectionnelle 4G. Et dans le cadre d'un concours d'innovation qui est porté par l'ADEME et dans lequel on est soutenu par le ministère de la Transition écologique en France, on est en train de développer une solution d'IoT spatiale via la constellation Kineis en France qui va nous permettre d'ici 2 ans d'avoir une qualité de service qui sera accentuée grâce au relais entre la 4G et l'IoT spatiale. Dans des zones blanches ou quand on est en période d'inondation, les opérateurs téléphoniques ne marchent pas toujours, sont parfois inopérants. Et dans ces cadres-là, l'IoT spatial prendra le relais, continuera à transférer la donnée mesurée par les microstations Vortex en temps réel. Guillaume, on a une question. Donc, notre objectif, c'est vraiment de déployer cette constellation de mesures en hydrologie en temps réel. Ici, vous voyez à droite un petit peu notre portail marivièreencrue.fr qui est un portail d'expression de besoins. Donc, sur fonds propres, en 2020, on a déployé un ensemble de microstations que vous voyez ici en bleu et en vert qui viennent compléter le système de mesure Vigicru en France que vous allez voir apparaître en gris par-dessus. L'avantage de ces microstations, c'est vraiment qu'elles sont déployables très rapidement. Globalement, aujourd'hui, une fois qu'on a l'autorisation de déployer notre station, en 30 minutes, quand on est sur le site, le système est installé et mis en service. On a un traitement complet de l'ensemble de nos paramètres en temps réel à bord de nos stations. Et surtout, voilà, on permet d'avoir des outils d'aide à la décision en cas de risque. Vous voyez en bas à droite un peu comment est représenté le tableau de bord de la microstation aujourd'hui. Donc, vous voyez bien qu'en plus de la mesure elle-même du paramètre hydrologique mesuré, on fournit tous les paramètres vitaux de la station, la puissance du panneau solaire, la connectivité réseau, les températures, les niveaux de charge, etc. Et tout ceci, en fait, ça permet vraiment d'avoir une optimisation des coûts de maintenance au niveau de nos microstations. Je vais vous présenter juste après un exemple d'installation donc sur un pont en Ariège à Mazères. Donc on ne voit pas du tout la microstation, elle est ici en gris. Ici vous avez le projecteur, ici vous avez la microstation, un objet de 10 cm de côté, c'est tout petit. Et on a une petite visuelle un peu plus gros. Et là voilà, je voulais juste vous montrer que sur ce pont, on a aussi une station Vigicru. Et donc on a voulu, avec les services de l'État, faire une comparaison entre nos capteurs. Et vous voyez ici que la corrélation entre nos systèmes de mesure est excellente, avec notamment un coefficient de corrélation entre nos mesures qui est supérieur à 99,9%. Avec l'avantage que la microstation fournit différents paramètres de l'eau et surtout, dans le cadre de la fourniture de la mesure de hauteur d'eau, le capteur ne dérive pas dans le temps, donc on n'a pas besoin de venir le recalibrer régulièrement. Et ici, vous voyez aussi à travers nos algorithmes innovants de développement à bord de la microstation, comment à partir d'une vidéo, bon là j'ai pris qu'une image, mais généralement c'est une vidéo, comment à partir d'une vidéo, on restitue un champ de vitesse qui vont nous permettre, grâce à des courbes de tarage, de fournir des débits instantanés. Voilà pour la microstation, je passe à l'altimètre léger, je vois que je ne suis pas spécialement en avance, mais ce n'est pas grave, on va continuer. Donc l'altimètre léger, c'est le même type de produit que la microstation, avec en plus un GPS RTK donc extrêmement précis qui permet vraiment de restituer un linéaire de hauteur d'eau encore une fois extrêmement précis tout au long du parcours du drone avec une précision de l'ordre de 2-3 cm au cours du temps. L'avantage de cette station, c'est que grâce à la dualité entre le LIDAR et la caméra, on va avoir une extrêmement bonne corrélation entre des hauteurs d'eau et des surfaces inondées. Et ça permet vraiment de créer des bases de données historiques et notamment de classifier les surfaces d'eau inondées, notamment dans le cas de plans d'urbanisation ou autres.
Donc, ici, vous avez une petite illustration de la mesure, donc sur un événement de masse carrée, tidal bore en anglais, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un masse carrée. Donc, c'est une onde qui rentre dans l'estuaire, ici l'estuaire de la Gironde, qui va permettre de passer d'un état de basse mer à un état de haute mer en quelques minutes. Hein. Ici, en 3 minutes, c'est dans l'estuaire de la Gironde. Ce masse carrée, il est assimilé à un mini tsunami. Et on était venu avec différents groupes scientifiques sur ce masse carrée pour faire une mesure comparative de notre solution, que vous voyez ici à bord d'un drone volant qui vole en vol stationnaire ici, à côté d'autres solutions, typiquement ici une bouée GNSS dans l'eau, ici un ADCP. Et observez bien la scène et notamment ce qui se passe plutôt à droite, pas du côté des surfeurs, plutôt à droite sur la bouée GPS. Voilà, en gros, ce qu'on voulait voir, c'était comment le capteur Vortex enregistrait la mesure. Et grâce à ce vol stationnaire avec une mesure de télédétection en dehors de l'eau, on a une extrême bonne précision du système de mesure, et là notamment des amplitudes du masse carré. Notre objectif, c'était vraiment de faire un papier scientifique pour comparer les différents systèmes de mesure. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, la bouée GNSS qui était là, qui faisait partie d'un ensemble d'autres capteurs qui étaient immergés, malgré le lest de 450 kilos, elle a été draguée directement par l'arrivée de la première onde de masse carrée. Et donc, on n'a pas pu faire la comparaison que l'on attendait. Mais en tout cas, on a validé le système. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que avec le système Vortex embarqué sur un drone volant, on arrive au moment où on veut mesurer, on se déploie, on mesure, on repart. Et c'est très rapide, c'est très flexible. Donc là, vous avez quelques exemples de survols de campagne que l'on a réalisés en 2020. Donc, on utilise essentiellement ces systèmes aujourd'hui dans un contexte français avec les agences spatiales, notamment le CNES, qui utilise beaucoup ces systèmes de mesure pour valider les mesures par rapport à des mesures satellites. Et vous voyez qu'on a fait de longs linéaires en 2020, notamment 60 km sur le Rhin ou 58 km sur un lac, sur le lac Léman en France. Et vous voyez un peu la restitution que l'on a de ces hauteurs d'eau sur les zones d'observation. Concernant les masques des zones inondées, c'est ce que je disais, ça c'est l'autre paramètre qui est rendu par l'altimètre léger embarqué sur drone. Vous voyez que grâce aux algorithmes innovants que l'on a à bord, on est capable de contourner en fait les zones d'observation de surface inondée en temps réel. Et donc, dans le cadre d'une observation conjointe entre une hauteur d'eau et une observation d'orthophoto, on va pouvoir se dire, en période par exemple de lest de crue, telle hauteur d'eau correspond à telle surface inondée. Et ça, c'est vraiment important, et notamment dans le cadre de déploiement des plans communaux de sauvegarde pour l'évacuation des populations en cas d'une prochaine crue. Une fois qu'on a la base de données historique, grâce à la microstation qui, elle, va être sur le plan d'eau, on va pouvoir anticiper l'arrivée de l'onde de crue et évacuer les populations au plus près des besoins des territoires. Je vous remonte simplement une petite slide sur les résultats forts que l'on a présentés, notamment au CNES en 2020, sur ces comparaisons entre des traces satellites et les hauteurs mesurées par Vortex. Ce qui est intéressant, et je vous renvoie à ce que va proposer Sceaux dans le futur, c'est que grâce à la microstation Vortex et à sa précision, on peut aussi fournir des pentes de rivières ou de fleuves. Donc là, ça a été le cas, par exemple, sur la Saône, où on a vu une pente de 17 mm par kilomètre sur 14 km de Saône. Hein. Donc c'est extrêmement faible, mais le capteur est extrêmement précis. Et puis différents paramètres qui sont rendus, et notamment une mesure du géoïde local sur le lac Léman. Voilà, j'en ai fini pour les présentations techniques. Maintenant, je vais juste rentrer un tout petit peu plus en détail dans les objectifs de ces prochaines années de la société. Donc aujourd'hui, on adresse le marché du risque d'inondation essentiellement en France, mais grâce à des nouvelles mesures, à des nouveaux paramètres hydro- et météorologiques que l'on va proposer et à la connectivité d'IoT spatiale, on envisage d'ici la fin de l'année 2021 de commencer à faire rayonner notre solution à l'extérieur de nos frontières. Et c'est vraiment intéressant, et je remercie encore le RIS de nous accorder aujourd'hui ce webinaire, parce que nous, on a vraiment une vocation à collaborer avec toutes les entités qui en ont besoin pour fournir ces capteurs, pour fournir cette solution à très très grande échelle et pouvoir répondre aux attentes en termes d'anticipation, de prévention du risque inondation, puisqu'on sait que le changement climatique induit de plus en plus d'événements extrêmes et qu'il y a vraiment une prise de conscience croissante des gouvernements qui est vraiment intéressante pour ces nouvelles solutions innovantes. Et puis je le disais, on travaille aujourd'hui sur des paramètres quantitatifs, mais on travaillera aussi dans le futur sur des paramètres qualitatifs. Donc on a commencé avec la température de surface et on va aller plus loin avec des mesures de qualité de l'eau. Donc quand je dis qualité, c'est turbidité, matière en suspension, toujours par ces systèmes de télédétection et par notre background en altimétrie satellitaire,
pour adresser des nouveaux marchés. Et vraiment, l'objectif de Vortex aujourd'hui, c'est de venir compléter les systèmes, on pourrait dire mondiaux, que l'on connaît en hydrologie continentale à travers cette base de données Anytime Anywhere et ce système transfrontalier qui va pouvoir transférer ces données de n'importe où sur le globe en temps réel pour pouvoir adresser ces mesures temps réel en hydrologie. Je finis par deux dernières slides. La première, c'est le projet HydroLink dont je voulais vous parler, qui est ce projet qui va nous permettre d'adresser une double connectivité sur notre station. Donc, c'est un projet financé via un programme PIA3 en France, via un concours INOV dans lequel Vortex a été lauréat et qui a donc comme opportunité de déployer une solution grande échelle afin de proposer le service micro-station à l'ensemble des acteurs de l'eau en tout point du globe. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on part sur un état où on est capable de déployer notre solution à l'échelle du territoire français. Et puis, grâce à ce projet, demain, on sera capable de le fournir à des acteurs mondiaux, à des gouvernements, sur tout point du globe. Et je voulais vous présenter cette slide parce que pour moi, elle est vraiment importante, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, on recherche des acteurs intéressés pour travailler avec nous dans le cadre de prototypage, de démonstrateurs qui vont permettre de montrer la pertinence de la solution microstation avec la double connectivité GSM IoT spatiale pour adresser la question de la mesure temps réel en hydrologie à travers le monde. Et donc, si à travers ce webinaire ou à travers les personnes qui sont présentes dans ce webinaire, vous êtes intéressés pour collaborer avec nous et être acteurs de ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées à la fin et Marie-Hélène et Valérie vous les transmettront. Et on pourra vraiment en discuter avec grand plaisir en dehors du cadre de ce projet. Et dernière slide, je voulais vous présenter un peu aussi le futur de Vortex, parce qu'aujourd'hui, faire de la prévention, c'est extrêmement intéressant, mais on va avoir besoin de plus en plus de systèmes de prévision du risque inondation, de réponse de cours d'eau à des événements extrêmes ou à des grosses précipitations. Et c'est vraiment dans ce contexte que l'on s'inscrit aussi à terme, parce qu'en ayant une base de données très très grande échelle, on va pouvoir avoir une plus grande finesse sur les modèles, on va pouvoir comparer, complémenter des systèmes, comme je le disais au tout départ, et ça fait la boucle avec le début de ma présentation, des systèmes aéroportés, des systèmes drones, des systèmes satellitaires. Et grâce à tous ces types de mesures et toutes ces résolutions spatio-temporelles de capteurs, on aura bientôt la possibilité d'avoir un système de concentration de données hydrologiques très grande échelle. Et en intégrant des modèles numériques locaux et pas mal d'intelligence artificielle dans tout ça, j'espère qu'à terme, on sera capable de proposer un système vraiment d'alerte et de prévision de propagation de crues en temps réel qui soit extrêmement efficace. Donc aujourd'hui, ces projets commencent à peine à mûrir un peu dans la réflexion du développement futur de Vortex. Et on espère qu'avec des partenaires étatiques, avec des partenaires forts comme ceux que l'on a aujourd'hui ou dans les projets comme HydroLink, on pourra vraiment aller plus loin et proposer ces solutions à tout un chacun à une échelle mondiale. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce n'était pas trop long. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Et puis, je suis ouvert à toute question maintenant. Merci. Vas-y, Valérie. Non, mais merci, Guillaume. Je pense que la présentation était vraiment complète et suffisante. Moi, j'aurais peut-être une question. Du coup, je vais me permettre de la poser maintenant. C'est quand vous parlez des trois temps du traitement des données, donc l'anticipation, l'alerte et l'analyse, j'aurais souhaité savoir si vous pouviez donner un peu plus de détails sur l'analyse, justement, les retours d'expérience dont vous parliez. Oui, en fait, je l'ai un tout petit peu présenté, Valérie, dans la présentation sur le drone. En fait, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui sur la dualité des lignes produits que l'on a chez Vortex, c'est que quand on va avoir un événement d'inondation, on va avoir besoin de classifier les zones qui vont être inondées en premier lieu. Donc, en ayant le drone qui va se déployer sur un secteur donné, on va avoir une observation de la hauteur d'eau grâce à l'observation par le LIDAR. Et on va avoir une observation aussi par la caméra sous forme d'orthophoto qui vont nous montrer les surfaces inondées, comme je le présentais à travers des algorithmes, notamment de machine learning, qui vont classifier un peu les zones inondées. Et grâce à cette base de données, hauteur d'eau et orthophoto, on va pouvoir aller installer sur le terrain une microstation, la deuxième ligne produit de Vortex, et dans le futur, lorsqu'une onde de crue va arriver et qu'on va voir une tendance d'élévation du niveau d'eau, on va être capable de reprendre cet ABAC hauteur d'eau surface inondée et de se dire, ok, avec cette vitesse d'élévation du niveau
moyen du cours d'eau, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'ensemble de ces secteurs seront inondés. Et donc, c'est vraiment ce que j'appelle la partie analyse et retour sur expérience, c'est-à-dire qu'en complémentant ces systèmes de mesure, on est capable d'avoir une meilleure anticipation des événements futurs et donc d'avoir une réponse sur le terrain en termes de protection des populations, de sécurisation des biens et des personnes qui sera extrêmement pertinente. Okay. Encore une fois, c'est très très clair. Merci beaucoup, Guillaume. Monsieur Martel, merci. Peut-être que vous auriez quelques commentaires à faire à Guillaume. Non, je vois plein de potentiel, mais en même temps plein de conflits possibles. Parce que une technologie comme ça, si on l'intègre dès maintenant, suite aux inondations majeures de 2017 et 2019, on s'est lancé là. Hein? On a toute une série de devoirs et de choses à faire pour devenir plus résilient par rapport aux inondations. Puis je pense que ce qui va devenir important, c'est qu'une technologie comme ça arrive plus au niveau supra et moins au niveau micro. Et c'est là que je disais tantôt, il y a des risques de conflit de dualité, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il doit y avoir des partenariats entre des gens qui offrent déjà des services d'hydrométéorologie, de surveillance aux municipalités et une entreprise comme ça. C'est-à-dire que l'entreprise qui offre les services s'adjoint cette technologie-là pour ensuite donner l'information aux partenaires. Moi, j'étais intéressé à voir justement quelle était la différence entre cette technologie-là et ceux que nous avons déjà chez nous et ceux que nous allons intégrer prochainement suite à un projet pilote réalisé cette année. Je vois plein de belles choses, je vois plein de possibilités. Mais je le vois mal à mon échelle à moi. Je le vois plus à l'échelle des gens qui me fournissent des services. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'un partenaire qui m'offre déjà des services me dise « Hey Eric, on a désormais quelque chose de nouveau, de nouvelles possibilités, puis ça va venir bonifier ce qu'on fait déjà. » C'est plus avantageux, du moins dans la perspective que je représente une autorité locale, que d'avoir à nous se retrouver à devoir une technologie à gauche, une technologie à droite, une technologie au centre, et là, d'avoir à jongler en temps réel avec de l'information qui provient de multistations ou multisolutions. C'est d'ailleurs une des choses que je déplorais, c'est que au Québec, on a un fort travail à faire. On doit vraiment, en temps réel, consulter de nombreuses sources d'informations pour être capable de prendre une décision en temps réel et toutes les solutions que nous, du moins à l'échelle locale, on a prises, c'était pour couper ce temps-là. C'était pour justement s'enlever ce fardeau-là, de le recevoir presque tout cru dans la bouche et là, de se revirer de bord, prendre les décisions et, d'un point de vue opérationnel, avoir le résultat. Voilà. Merci, M. Martel. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Donc déjà, je vous remercie pour votre prise de position parce que je vois que vous connaissez quand même bien le domaine. Je suis entièrement d'accord avec votre propos. L'objectif de Vortex, c'est vraiment d'apporter une nouvelle solution qui va être complémentaire. C'est-à-dire que nous, notre objectif, ce n'est pas de radier de l'échelle planétaire les solutions qui existent. Il y a beaucoup trop d'historicité de données en termes d'hydrologie continentale et je pense qu'il y a tout à apprendre, à travailler main dans la main. Et nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire un pont entre notre connaissance du domaine spatial et tout ce qu'on avait appris en expertise spatiale et le domaine de l'hydrologie continentale. Et cette microstation, elle s'inscrit vraiment dans ce schéma-là, puisqu'avec cette solution, on a quelque chose qui peut se déployer rapidement, à grande échelle, une interconnectivité entre les capteurs, des capteurs innovants qui ne dérivent pas, et ça me paraît important. Et un point aussi important, c'est le géoréférencement. Aujourd'hui, quand on installe un capteur sur le terrain, la personne qui installe sur le terrain va donner un référencement arbitraire, et chaque personne qui installe un capteur installe plus ou moins de manière arbitraire le capteur. Avec Vortex et avec ce système de géoréférencement dans le géoïde, comme le principe de l'altimétrie satellitaire, tout point sur le globe sera référencé de la même manière et donc on aura vraiment une extrêmement bonne complémentarité entre les capteurs. Et puis j'ajoute aussi que grâce à cette évolution de technologie, on peut aussi venir aider les personnes qui veulent remplacer des capteurs
par ces nouvelles technologies, puisqu'en fait, on ne perdra jamais l'historicité de la donnée, parce qu'on peut se référencer sur la donnée historique précédemment acquise pour pouvoir faire la continuité de cette mesure. Mais je suis entièrement d'accord et je serais ravi de pouvoir discuter avec vous en dehors ou à la suite de ce cadre-là pour qu'on puisse imaginer des partenariats. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'Hydrolink, on a vraiment une volonté forte d'essayer de montrer un démonstrateur à l'échelle d'un bassin versant sur un territoire donné dans le cadre du projet. Et donc peut-être que ce serait l'occasion de montrer au ministère français qui nous soutient dans cette œuvre comment on peut travailler avec le Canada ou avec le Québec sur justement cette résilience des territoires. On a une autre question dans le chat du Centre RIS. Est-ce que vous avez testé la précision des mesures en présence des embâcles de glace dans les rivières? Alors la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que en altimétrie satellitaire, on a déjà beaucoup travaillé sur les glaces de mer. Donc, mesurer de la glace avec les systèmes d'altimétrie traditionnels, on sait le faire. Et on a notamment, côté Vortex, gagné un gros appel d'offres avec l'Agence spatiale européenne qui va nous emmener faire des campagnes drones en Arctique dans les prochains mois. Donc, on va arriver à mesurer des hauteurs de glace. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour le capteur. La précision de la mesure lorsque l'on a des embâcles, elle est relative. Parce que le capteur, en fait, le LIDAR, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il va émettre un stack de données à 7 Hz, donc 7 points de mesure par seconde, sur une période d'intégration qu'on lui demande d'avoir. Donc, quand on va avoir un embâcle, s'il est plus ou moins régulier, on va avoir la précision de l'embâcle en question. Et l'intérêt, c'est de pouvoir complémenter cette mesure faite par le LIDAR avec la caméra, qui, elle, va donner cette image contextuelle qui va permettre de dire, OK, par exemple, on a un embâcle, on a eu une augmentation du niveau d'eau qui est artificielle provoquée par l'embâcle, donc pas d'alerte, il n'y a pas besoin d'imaginer qu'on va avoir une inondation, c'est juste un embâcle qui s'est produit et on va avertir, j'ai envie de dire, l'organisme local responsable du cours d'eau qui va venir enlever l'embâcle en question. Mais en tout cas, d'un point de vue technologique et scientifique, il n'y a aucun problème à mesurer des embâcles, même en pression, en présence de glace dans la rivière. De rien. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non? Mais je pense que la présentation était tellement claire que ça limite un petit peu le nombre de questions que l'on est en droit de poser maintenant. Je ne sais pas, Guillaume, si vous avez vu que M. Martel vous a donné son adresse courriel, là, ici, dans le chat, pour que vous puissiez continuer votre discussion et éventuellement envisager un partenariat ultérieur entre la France et...